Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Demain, on part à Cleveland. Allez, dis quelque chose. T'es content d'aller? T'es content d'aller? Dis quelque chose. Oh, alimente le sujet là. Non? Bon alors aujourd'hui, vous allez suivre les aventures de Timothée. Timothée va préparer son sac. Un petit shout-out de la prochaine vidéo sur Noël. Mais pour le moment, on part à Cleveland. Donc demain matin, on prend notre voiture pour partir de notre chère Charlotte. Oh, désolé, c'est flou. Pas beaucoup de lumière. On part de notre chère Charlotte. On prend une route ici. Ça s'appelle la route 77. Et on fait 8 jusqu'ici. On fait 7h30 sur la même route. Voilà. Et après, on sort et on arrive à Kent. Et on se réjouit trop. À part la route où on se réjouit pas trop, mais sinon on se réjouit trop de pouvoir fêter Thanksgiving aux US, parce que c'est la raison pour laquelle on monte, de revoir les macarons, de passer du temps à Kent, tout ça, ça va être trop bien. Et puis en plus, ben, Tim l'a congé, donc c'est trop cool. Il y a juste la route qui va être un peu longue, mais on va faire des blagues, et lire des trucs, et écouter des podcasts, et puis ça va passer, et ça ira très bien. Et l'un des points aussi qui nous rend un peu moins déter, c'est les cats, mais à part ça, on se réjouit, hein, Tim au 12. Oup, 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 oup. Voilà, du coup, je prends ça demain matin. Au moins que je filme nos sacs, mais je suis pas sûre que je filme nos sacs, peut-être, je ne sais pas. Suspense. Parce que les sacs sont sortis, ils savent que ça veut dire qu'on s'en va. Tu sais, Loulou, tu sais, Loulou, qu'on s'en va. C'est ça que tu te dis. Presque 5 jours tout seul. Ça va aller? Non, ça va pas aller. Notre technique ultime pour ces 5 jours, c'est qu'on a notre aspirateur qui filme, donc on peut se balader dans l'appart pour les voir et voir si tout va bien, les trouver et tout. Et l'autre technique ultime, c'est qu'on met 2 litières. Et la dernière technique ultime, c'est qu'on a un distributeur de croquettes high-tech relié à une application sur notre téléphone et du coup on sait quand c'est donné ou pas. Voilà notre organisation. Oh, c'est pénible. Quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour, elle m'a dit, je sais pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. Première halte, on est en Virginie pour un pipi, ça rime. Et on ne reste pas très longtemps en Virginie, c'est pas très long le trajet, mais on nous a dit qu'il fallait pas qu'on speed parce qu'il y a beaucoup de radars. Du coup, on speed pas, on va aux toilettes et après, on avancera à un rythme normal. Et c'est chou parce que. Bon, il y a plein de monde partout, bien sûr, mais ils ont mis un peu des trucs de Thanksgiving et d'amour et des trucs comme ça. Je prends une petite vidéo photo après. Tiens, même l'autoroute, c'est joli. Les petits chiens qui font la pause pipi. Et on a de la chance parce qu'il fait monstre beau. Il fait froid. Je sais pas si vous le voyez, mais il fait froid. Enfin, c'est l'hiver maintenant. C'est reparti.
Thank you, have a good day. Pause pipi et on a 10 miles encore d'essence et le truc d'essence est à 7 miles alors yes on espère on va y arriver. Et on l'a fait, on est à la station service, tout va bien. En fait, c'est juste du contenu pour le vlog, on n'avait pas de soucis. Bon là, honnêtement, les peut-être 10 derniers miles, je sentais que la goutte de Timothée descendait comme ça. C'est bon, on va pouvoir continuer notre voyage. Petit coca pour tenir la suite du trajet. Petit kit 4 pour la route aussi. Bon, comme vous avez pu le constater, on est bien arrivé. Cette nuit, on a dormi dans la vieille chambre de Trey et Alana, qui sont en Californie, dans leur van. Et du coup, c'est rigolo d'être ici sans les voir eux. Et on a passé une super chouette soirée au restaurant. C'était vraiment super bon. Et après, on a discuté aussi ici. Et il y a Tanner qui est arrivé en fin de soirée aussi avec qui on a discuté. Je vais vous faire un petit tour de la maison pour tous ceux qui n'ont jamais eu la chance de venir ici, puis pour rafraîchir les idées à tous ceux qui ont vécu plein de choses ici. Et en parlant de ça ce matin, là je viens de me réveiller, de me préparer, mais je suis obligée de vous montrer, parce que si vous avez déjà vécu ici, vous savez ce que ça fait, et si vous avez jamais vécu ici, vous avez juste kiffé. Regardez ça, la vue, le matin, c'est trop beau. Et du coup, aujourd'hui on est Thanksgiving et on va aller manger chez la sœur de Ted, toute la famille là-bas, ça va être trop cool. Et c'est une maison qui est vers le lac, donc on va aussi faire une balade et tout, je me réjouis trop, on va se péter le bide. Et puis ça va être une trop bonne journée. Je vous montre juste le basement maintenant que j'y suis. Quand t'arrives par en haut, t'arrives ici. Ici c'est la chambre dans laquelle on a dormi. Ici c'est la salle de bain avec une petite douche et tout, salle de bain pour vous, pour tous les amis et la famille qui sont déjà venus ici, vous êtes pas étonnés, mais voilà comment on est accueillis. C'est beaucoup trop chou, c'est vraiment des loupies. Et puis ça c'est le basement avec de quoi faire du sport, la table de billard, la batterie, ici les canapés ultra confort pour chiller devant la télé, toujours incroyable vue sur le petit lac.
Puis ici, petite cuisine avec les stacks de pop qui ont été faits expressément pour Timothée. Voilà, voilà. C'est parti pour la journée. Qui profite au maximum de toute la neige qu'il peut avoir parce qu'il sait que ça sera pas avant tout de suite qu'on aura comme ça Charlotte. Non, non, non. Major dog wrestling. In the snow. Yep.